وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين Serviteur d'Allah, craignez Allah tabaraka wa ta'ala et soyez reconnaissants envers lui par ce qu'il vous a comblé de bienfaits en vous envoyant parmi vous un messager qui vous récite ses signes et ses versets et qui vous purifie et qui vous enseigne le livre et la sagesse. Et matérialisez cette reconnaissance envers Allah tabaraka wa ta'ala en suivant la sunna, la tradition de votre messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de s'arrêter sur sa guidée et sur sa législation, et de s'éloigner de ce que les gens ont innové dans sa religion, et surtout des choses sur lesquelles Allah tabaraka wa ta'ala n'a descendu aucune preuve. Serviteur d'Allah, l'ordre du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de s'attacher à sa tradition prophétique est venu dans beaucoup de versets du Coran et dans beaucoup de traditions de hadith véridiques. Tous ces textes sont des preuves véridiques sur l'obligation d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de suivre ses pas et de se soumettre à ses ordres sans aucune opposition et de ne jamais sortir de ses indications alayhi salat wa salam dans n'importe quelle situation que ce soit. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate al-Hashr verset 7 dans le sens des versets: ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, interdisez-le vous à votre propre personne. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets dans sourate Ali Imran, verset 31, dit: si vous aimez Allah, alors suivez-moi. C'est-à-dire, dit ô Muhammad, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Et Allah ta'ala a mis en garde ceux qui voudraient contrevenir à ses ordres, alayhi salat wa salam, dans sourate An-Nur, verset 63, dans le sens des versets: que prennent bien garde ceux qui contreviennent à ses ordres, qu'ils ne soient pas touchés par une tentation ou bien qu'un châtiment douloureux ne les touche. Comme a dit l'imam Ahmed, qu'ils ne soient pas touchés par une tentation, c'est le kufr. Ceux qui s'amusent à toujours contrevenir à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils prennent bien garde qu'ils ne soient pas touchés par la mécréance. De même qu'il est venu beaucoup d'ahadith sahih, comme il est rapporté dans Tirmidhi Abu Daoud, le hadith d'Al-Irbad ibn Sariyah, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Alors, accrochez-vous à ma tradition et à la tradition de mes califes bien guidés. Accrochez-y-vous avec vos molaires et attention à toute innovation, car toute innovation est un égarement et tout égarement est au feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il va y avoir beaucoup de divergences. Et ça se s'est passé. Et on le voit aussi aujourd'hui. À chaque fois, sur tous les sujets que l'on nomme, où on ramène des preuves du Coran et de la Sunna, il y a des philosophes ou des gens qui suivent leur passion ou des gens qui suivent leur raison en pensant que leur raison est supérieure et au-dessus des textes, qui viennent polémiquer et philosopher et ramener des arguments fallacieux qui ne tiennent sur rien. Pour quoi? Détruire la religion d'Allah de sa base. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde.
Attention, celui qui vivra parmi vous, il verra beaucoup de divergences. On les voit. Aujourd'hui, on entend des divergences. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam ? Attachez-vous à ma tradition et à la tradition de mes califes bien guidés. Accrochez-vous à cette tradition avec vos molaires, avec vos dents. Et attention à toute innovation. Attention à toute innovation, car toute innovation est au feu. Dans le hadith de Aïcha, rapporté par le Bukhari et Muslim, la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui reçoit la révélation, celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion, c'est pas comme ceux qui nous disent aujourd'hui, arrêtez de dire tout ça, c'est bid'a, tout est bid'a. C'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit ça. On va arrêter de transmettre la religion d'Allah pour vous faire plaisir. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith de Aïcha, radiallahu anha, celui qui invente dans cette religion ceux qui n'en font pas partie, ce sera refusé, il sera rejeté. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Dans l'autre version de l'imam Muslim, celui qui fait un acte dans lequel il n'y a pas notre ordre, alors il sera refusé. Qu'est-ce que ça veut dire dans lequel il n'y a pas notre ordre ? Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'agir en islam sans attendre l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'ordre d'Allah ou du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Toutes choses dans les ibadats, dans les adorations tawqifiyah, elles sont fixées, elles sont déterminées. Tu n'as pas le droit d'ajouter ce que tu veux ou retirer ce que tu veux. Sinon, fais ta propre religion, mais ça ne s'appellera pas la religion de l'islam. C'est pas la religion où tu soumets ton visage à Allah, où tu te soumets à suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est une autre religion, appelle-la comme tu veux. Aussi, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les salafs salih, les pieux prédécesseurs, et les grands imams, ils ont beaucoup de paroles et de positions sur cela. Et ils nous ont donné le meilleur exemple dans la manière de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de s'arrêter et de ne pas faire des innovations. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit « Suivez et n'innovez pas, vous avez ce qui vous suffit et toute innovation est un égarement. » Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a reçu la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait invoquer Allah pour lui, pour demander qu'Allah le rende versé dans les sciences de la religion et qu'il lui enseigne l'explication du Coran. Il a dit, il n'y a pas une année qui vient pour les gens sans qu'ils y créent des innovations et qu'ils font mourir des sunnas, des traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à que toutes les innovations elles vont être vivantes et toutes les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam elles vont mourir. Qui dit ça ? Abdullah ibn Abbas, le savant de cette communauté, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Omar, qu'a-t-il dit, radiallahu anhu ? Il a dit, toute innovation est un égarement, même si les gens y voient du bien dedans. Toute innovation, c'est un égarement, même si les gens y voient du bien dedans. Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit ? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a laissé des traditions. Et les chefs après lui parmi les califes, ils ont laissé des traditions. Celui qui suit ces traditions-là, il est bien guidé. Celui qui demande l'aide d'Allah en s'attachant à ces traditions, Allah va l'aider. Mais celui qui contredit et qui suit un autre chemin que le chemin des croyants. Qu'est-ce que c'est le chemin des croyants ? Le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Wallahu ma tawalla. Allah il le retourne sur ses pas. Wa aslahu jahannam. Et il le brûle en enfer. Et quelle mauvaise demeure. Ibn al-Majishoun, un élève de l'imam Malik, rahimahullah, a dit, j'ai entendu l'imam Malik dire, celui qui invente ou qui innove dans l'islam une innovation et qui voit que c'est une bonne chose, alors il a prétendu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a trahi le message. C'est comme s'il insultait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de trahison, que c'est un traître. Celui qui invente quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, c'est comme s'il dit Rasulullah c'est un traître. Pourquoi ? Parce qu'il, comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait caché des choses. Car Allah il lui a ordonné de transmettre toute la religion. Il n'a rien caché, sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah a dit, aujourd'hui, je vous ai complété votre religion.
Donc ceux qui n'étaient pas considérés comme religion au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas considéré comme religion aujourd'hui et ce ne sera jamais, jamais considéré comme religion. D'ailleurs, l'imam Malik rahimahullah a dit, les derniers de cette communauté ne se corrigeront que de la même manière dont les premiers se sont corrigés, dans les mêmes pas, de la même manière. Saïd ibn Musayyib rahimahullah, un tabi'i, c'est-à-dire un tabi'i, c'est ceux qui ont vu les compagnons, un grand savant parmi les tabi'in. Il a vu quelqu'un après le lever de l'Fajr. Quand l'heure de l'Fajr elle rentre, comme vous savez, il y a les deux rak'at sunnat et l'Fajr. Il a vu quelqu'un, il faisait plus que deux rak'at et il était long dans sa prière. Il faisait 4 rak'at, 6 rak'at et il faisait des sujouds, des ruku'a longs. C'est contraire à la sunna. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est 2 rak'at légères. Il lui a interdit cela. Cette personne, elle a dit, mais Allah, il ne va pas me châtier pour la prière. Je fais quelque chose de bien, je fais la prière. Il lui a répondu quoi? Il lui a dit, non, Allah ne va pas te châtier pour la prière. Allah va te châtier parce que tu as désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant plus que ce qu'il t'a montré. Aujourd'hui, c'est ça les gens qui disent. Ils inventent des innovations. Et ils disent, mais Allah, il ne va pas nous châtier, c'est pour le bien qu'on fait ça. Oui, tu fais pour le bien, mais Allah, il ne va te châtier pas parce que tu as aimé le prophète. Pas parce que tu as voulu faire une adoration d'Allah. Allah, il va te châtier parce que tu as désobéi à ce qu'Allah t'a ordonné de ne pas faire d'innovation. Parce que tu as désobéi à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam en rajoutant des choses dans sa religion. Tu as falsifié, tu as changé, tu as dénaturé l'islam. Et ça, c'est grave. Pourquoi on parle de tout cela? Dans une vingtaine de jours, il va venir un moment où les gens vont fêter la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette chose-là, est-ce que c'est une chose légiférée en islam? Premièrement, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fêté son anniversaire, ni même ceux des prophètes avant lui, ni Isa, ni Moussa, ni Ibrahim, ni personne. Ni les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les quatre califes, ni même tous les autres compagnons, ni même les tabi'in, ceux qui ont vu les compagnons, ni même les tabi'in, ni même l'imam Malik, ni même l'imam Abu Hanifa, ni même Shafi'i, ni même l'imam Ahmed, ni même Layth ibn Sa'd, ni même l'Auza'i, ni même aucun savant de l'islam. Vous savez quand est-ce que cette chose elle a apparu? Au 6e siècle de l'islam, 500 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais, pendant tous ces siècles-là, ils n'ont jamais fêté l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui a inventé cela? Un chiite qui a voulu imiter les chrétiens quand il les a vus fêter la naissance de leur prophète. El-Fatimiyoun en Égypte. Et après, toutes les sectes soufites, elles se sont inspirées de ça, elles ont continué derrière eux. Ça, c'est la première chose. Est-ce que nous, on prétend aimer le messager d'Allah plus que les compagnons? Plus que ce qu'Allah il a choisi comme ses compagnons? Plus que les grands imams de l'islam? Plus que les savants? Pourquoi alors eux, ils n'ont pas fait cette fête? Et nous, on prétend aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant des innovations alors que toute l'année, toute la journée, on désobéit à ses ordres. On ne suit pas sa sunna. Nous, soi-disant, on aime plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam que ces gens-là. Ceux qui disent ça, c'est des menteurs. Parce que suivre la sunna tous les jours, c'est lourd, c'est difficile. Alors que faire une fête, manger, boire, dire ya Rasulallah, et puis danser et se faire des cadeaux, c'est facile, il n'y a rien de difficile. C'est plaisant. Donc eux, ils croient qu'en faisant ça, c'est bon, ils rattrapent toutes leurs erreurs et les manquements qu'ils ont dans toute l'année. Non, ils rajoutent des péchés sur leurs péchés. Et c'est encore plus grave parce qu'ils ont innové dans la religion d'Allah. De même, on a vu tous les versets et les hadiths où Allah nous a demandé d'obéir et de ne pas inventer, de ne pas innover dans la religion d'Allah. De même que Allah Ta'ala, il a complété la religion avec l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La religion elle est finie, elle est complète, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever. Donc en faisant ce genre de fête, c'est comme si on rajoutait des choses dans la religion. Car les fêtes dans l'islam, elles sont deux. Pas trois, ni quatre. La fête du sacrifice, Eid al-Adha, et la fête de la rupture du jeûne.
C'est les deux seules fêtes qui existent en islam. De même que le fait de faire ce genre de fête ou de fêter la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, c'est sortir du droit chemin et ressembler aux mécréants dans ce qu'ils font. Et Allah Ta'ala nous a interdit cela. On a parlé de ça il y a deux jours quand on a parlé du fait de souhaiter la nouvelle année ou de fêter la nouvelle année. Si vous vous souvenez bien, on a détaillé cela. De même qu'on a bien précisé que les adorations, elles sont déterminées, fixées. Tu n'as pas le droit d'en rajouter ni d'en diminuer quoi que ce soit. Est-ce que tu peux te lever aujourd'hui à la prière de Vohr faire 10 rak'at au lieu de 4? Est-ce que ce sera accepté? Jamais. Si tu fais 20 rak'at, 1000 rak'at au lieu de 4, ce sera jamais accepté par Allah. Parce que tu as désobéi à Allah et au prophète sallallahu alayhi wa sallam en rajoutant dans la manière de faire. Pourtant, tu fais quoi? Tu fais des prières en plus. Tu te prosternes en plus. Tu pourrais croire que c'est un bien, mais non. De même, barakallahu fikum. Il faut savoir une chose. Personne n'est sûr de la vraie date de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les historiens, ils ont tous divergé. Est-ce que c'est le 12 de Rabi al-Awwal? Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est après? Il y a beaucoup de divergences. Par contre, il faut savoir qu'ils sont d'accord pour dire la date où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. C'est la même date. Alors c'est comme si on fêtait la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un des plus grands malheurs que la communauté elle a connu. Pourquoi? Parce que quand tant que le prophète était là, il nous enseignait, il jugeait quand on divergeait, il guidait les gens vers le bien, il expliquait. Quand il est mort, c'était un malheur terrible pour la communauté. C'était terrible. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on sait, on est sûr qu'il est mort dans le mois de Rabi al-Awwal, mais on n'est pas sûr qu'il est né dans ce mois-ci. On devrait être plus triste ou on devrait faire une fête. D'autres vont dire, mais nous on ne fait pas de fête. Juste on profite de ce jour-là pour se rappeler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour parler de lui, pour parler de ses bienfaits. Alors on lui dira, tous les jours, tu te rappelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'adhan, quand tu dis Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dans la prière, quand tu dis Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tu bénis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il te faut un jour dans l'année pour te rappeler de lui, c'est grave. Ça veut dire que toute l'année tu l'as oublié. Toute l'année t'as délaissé. Alors que tous les jours tu dois remercier Allah pour le bienfait de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bénir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, louer et faire des du'as pour lui, pour ce bienfait qu'il nous a donné, pour ses efforts qu'il a fait, pour cet enseignement qu'il a fait, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. De même, sans vous cacher que pendant ces fêtes-là, il y a des choses très graves qui se passent. Du shirk, de l'associationnisme. Les gens, ils invoquent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au lieu d'Allah. Ils disent « Ya Rasulallah, Ya Rasulallah », ils demandent au prophète. Et ça, c'est du shirk, ça annule tous ses actes. Ou bien ils vont dans les tombes et ils font des choses bizarres. À faire des tawaf ou se prosterner, je ne sais quoi. Ou bien ils mettent de la musique, ou ils se mélangent hommes et femmes, etc., etc. C'est-à-dire, déjà, ils font une innovation, en plus, ils rajoutent dessus des choses encore plus graves ou des choses moins graves. Ils font un grand pactage de haram et ils disent avec ça, on s'approche d'Allah. Comment, serviteur d'Allah, comment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'accepte pas le repentir d'un innovateur, de quelqu'un qui fait le bid'ah, une innovation, tant qu'il ne délaisse pas son innovation. Tant qu'il ne délaisse pas son innovation, Allah n'accepte pas sa tauba. Quoi qu'il en soit, pour finir, barakallahu fikum, si on veut être des gens qui aiment vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il faut lui obéir. Alors il faut s'arrêter là où il nous a demandé de nous arrêter. Alors il faut pratiquer ce qu'il nous a ordonné de pratiquer. Alors il faut aimer ce qu'il nous a demandé d'aimer. Alors il faut détester ce qu'il nous a demandé de détester pour être des vrais suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour que le jour du jugement dernier, on soit ressuscité avec lui, pour que l'on boive de son bassin Al-Kawthar, et qu'on rentre au paradis avec lui. Amin.
Mais si on ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on fait des innovations, vous savez ce qui va se passer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith sahih. Écoutez bien et je vais finir avec ça. Le jour du jugement dernier, il va voir des gens de sa communauté, il va les accueillir pour qu'ils viennent boire du bassin. Al-Kawthar. Il va les reconnaître comment? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous reconnaît le jour du jugement dernier? Aux traces des ablutions, les traces de l'wudu. Donc c'est des gens qui font la prière. Il va pour les accueillir, les anges ils vont venir faire un mur. Ils vont les empêcher de venir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, ce sont ma communauté, laissez-les passer. Les anges vont dire, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Ils n'ont pas cessé de revenir sur leurs pas, ils ont changé la religion après toi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se fâcher et va leur dire, loin de moi ces gens-là. Et ils seront interdits de s'approcher du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de boire de son bassin. Nasa Allah tabaraka wa ta'ala an yaj'alana jami'an من الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذين يحبونه أكثر من محبة الوالدين والأولاد ومن محبة أنفسهم اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وقل رب زدني علما